Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 2 de Project Ozone. Pardon, je cherchais le nom. Du coup, je vous retrouve juste après l'autre épisode. J'ai rien fait, j'ai juste fait les 5 graviers là. Tout de suite, je regardais juste la quête d'après. Bon, alors à part ça, avoir plein de cobble, bah du coup, je finirai par le valider. Là, elle fait les 15 spirits, j'en suis loin. Le plus important, ce qui nous intéresse là, c'est ça. Faut 8 poudres de copper. Donc ça, c'est par la dust. Mais comme je vous l'ai dit, on va essayer de les avoir en cassant par le gravier. Donc on va essayer de faire plein de gravier, donc plein de stone. Là, j'ai commencé à ranger. J'ai fait là, ça sera les trucs de gravier. Là, les trucs de sable. Là, les trucs de dust. Là, les trucs de dirt. Voilà. Du coup, bah là, je refais pousser les arbres parce qu'il me faut des saplings. Mais c'est bien, on en aura plein avec ça. Hop. Comme ça, on va faire un maximum de dirt. Hop, on va les casser lui là-haut. Hop, ça repousse. Hop. Voilà. Parce que bon, les strings, on n'a pas besoin de 10 000. Ah, les bruits Sky, il faut vraiment que je pense à les désactiver. Hop, hop, hop. J'ai regardé, j'ai pas. Enfin, j'ai regardé vite fait. J'ai pas trouvé de comment? De solution pour cacher le chat. Si quelqu'un en a une, n'hésitez pas. D'ailleurs, je remercie. On va en avoir, c'est avec la CFTB Skyblock, mais. Max King. Je vais juste dire Max King, je pense qu'il se reconnaîtra. Mais en fait, pour les Charm of Dislocation, là, le truc de draconique pour se TP où on veut. Pour recharger en Ender Pearl, en fait il l'a dit en commentaire, au lieu de faire une par une en faisant add fuel, vous faites shift et en même temps vous faites add fuel et ça les fait stack par stack. Voilà. De toute façon je le redirai dans la série adéquate. Bref, est-ce que. J'en ai que ça, putain. Bah écoutez, je fais une coupure, j'essaie de récupérer un max de sapling, de faire un pas mal de dirt. Et puis on se met à sieve tout ça. Parce que pourquoi je veux faire très vite cette quête, c'est parce qu'on a le Fluxim Fusée d'Hammer, donc on ira beaucoup plus vite. Voilà. Après, vous voyez, pour le moment, on n'a pas débloqué les autres trucs. Donc on verra. What? Ok, c'était bizarre. Bref, à tout de suite. Bon, mais voilà. Je pensais à un truc, c'est qu'en fait, on va avoir trop de bois très vite comparé à sur FTB Skyblock. Du coup, normalement, les barrels sont beaucoup moins chiants à faire. Le craft classique, voilà. Donc, hop. Les barrels, c'est magique. Donc, on va le mettre. On va le mettre là, allez. On va ranger l'autre. Et on va prendre toutes nos bûches. Normalement j'ai tout, j'en ai pas là. Voilà. Et hop, on vient double-clic, ça range tout. Shift-clic pour mettre le petit cadenas pour lock. Et donc shift-clic, ça en prend un. Et un clic gauche, ça prend un stack. Voilà. Et vous pouvez stocker jusqu'à 4096 items. Je pense à un truc aussi, vous voyez, je refais un peu de pierre. Mais avant, ce serait sympa d'ouvrir les loot bags là. Un peu ce qu'on a dedans, on va s'écarter un petit peu au cas où. Je crois que ça en fout partout. Ah non, ça les ouvre comme ça. Ok, Iron Legging, super. Ok, merci. Mana in the bottle. Attention, les pics. Nul. Ender Pearl Dust. Toujours ça. Conduite probe. Ok. Ah, l'obsidienne, ça c'est sympa ça. Ouais, ça on s'en fout. Oh putain, ça c'est bien ça. Ender Lily Seed et de la Nether Wart. Alors ça c'est cool, ça en fait vous faites pousser, ça vous donne des Ender Pearls. Oh puis des Ender Pearls. Alors là on est bien là. Là j'ai eu de la chance comme on va dire. Hop, en plus j'ai des têtes. Ah bah il reste un. Un name tag. Oh le Lexica Boutonio, ça peut être sympa. Hop, est-ce qu'il y a assez de place pour ranger tout ce bordel? Tac, tac. Ça, on peut le mettre. Pas de mal. Ça, on s'en fout. Ça aussi, ça aussi, ça aussi.
Ça, on va le garder. Hop, hop. On va mettre l'obsidienne ici. Vu qu'on peut avoir du lapis, on va le mettre là-dedans. Et on va mettre aussi les underpearls là. Pourquoi mon bucket est vide? Ah non, j'ai un autre bucket. Ok. Quand est-ce que j'ai un bucket? Ah, peut-être pour la lave. Non, je me rappelle pas. Hein. Ah bah non, peut-être dans le seau. Bref. Il se casse pas ou quoi? Ah si. On va finir ça, on va essayer de faire la quête. Tiens, pour 2 secondes. Tac. Faut vraiment que je trouve comment hide le chat parce que... Un petit peu gênant quand même. Hop, allez, allez. On passe tout ça. On choppe pas de coupure. Non, tiens, attendez. Ranger ça aussi. C'est bien, on a déjà les trucs pour Applied. Je sais pas s'il y a un autre moyen de les faire, mais on verra. C'est pour le moment Applied, on en est pas là quoi. Peut-être dans 10 épisodes, quoi, et encore. Même si ça va aller très vite là, faut pas déconner. Alors, hop. Il va nous en manquer un. Attendez, je vais juste casser là les arbres. Voilà! Ça, c'est une récolte simple et efficace, j'ai envie de dire. Quand même pratique, Vein Miner, hein, vous allez pas dire le contraire. Un peu cheaté, mais on s'en fout. Hein. Le but c'est d'aller très loin, très assez vite, c'est pas de... Par contre, vous savez, j'ai l'impression que genre il y a un truc qui bonne 1000. Non, je sais pas, dites-moi si vous savez. Hop. Hop. Et hop. Faut que je change le bind par contre. On récupère tout ce bordel. On replante. C'est la première fois que je suis content d'avoir des grands arbres en fait parce que vu que avant il y avait... C'était sur quoi qu'il y avait aussi? Il y avait Tricapitator, ça c'est bien, enfin, c'est le même principe en fait. Sauf que ça consomme la durabilité de votre hache par exemple. Enfin bref. Putain, je me fais harceler entre Skype, les SMS, machin. Laissez-moi tranquille. Hop. Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que maintenant j'essaie d'être un peu plus enthousiaste dans ma voix. Mais c'est dur. Il reste pas une, non. Hop. Ah bah c'est Joss qui me spam. Je refais un petit tour de base, voir comment ça avance. Genre, tu regardes la mienne, comme ça on peut s'inspirer. Je réponds. Y'a combien de mecs avec des dés? Ouais, bon, record. Donc, allez, un petit copper s'il vous plaît. Eh bien non. Il n'y a pas de souci. Hop. En vrai, c'est assez chiant. Le début, et encore, on a quand même entre Vein Miner, tout le bordel, on est quand même plutôt aidé. Et puis le mode expert, ça c'est bien. Allez, allez. On s'en fout de la Grassite, sérieux. Bon. Allez, 4 cobbles, on va bien arriver à avoir un copper en 4 cobbles. Allez, allez. Bon, après, je crois que je vais finir par faire de la lave parce que bon. Quoi qu'il me faut de la clé, si, bah c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Vu que j'ai un peu d'os. Et oui, c'est bon, on a le copper. Hop. Donc là, on vient. C'est con qu'on n'a pas excompressé en fait. Excompressé, ce qui est bien, c'est que vous avez un hammer qui en fait il prend directement les morceaux, et dès que vous faites clic droit, il les pose au sol en bloc. Il les cumule en fait.
Pas besoin de le rassembler vous-même. Enfin bref, là vous voyez, hop, j'en ai 8, là j'en ai 11, j'ai eu beaucoup de chance. Tac. Et voilà, la 9. Du coup, hop. On prend un truc. On a plus besoin de ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On s'en fout complètement des câbles Galacticraft. Bon, c'est pas grave. Manchin's Cube. On va l'ouvrir. Oh! Ah bah ça c'est sympa ça. Ah non, ça le récolte pas. Ah ok, c'est un lag. Mais ça ne le récolte pas quand même. Bon, et bah on va attendre d'avoir une meilleure pioche. Can be converted into a chunk loader. Right click with blaze. Attends, iron and diamond block can be. Right click with blaze rod. Ok, je savais pas. Bref, on laisse ça pour le moment. Et on a perdu 9 diamants. Je suis triste. Du coup, suite des quêtes. On va essayer de suivre un peu les quêtes. Voilà, justement, il nous dit de faire de la clé. Alors, comment on fait de la clé? Il va nous falloir du sable. Aussi. Parce qu'il va nous falloir pas mal d'eau. Donc, on va faire du sable. Il nous en faut 3. 3 sables, en fait, on va faire une glass bottle. Et en fait, on va mettre. On va mettre comment? On va mettre notre seau d'eau là, qu'on a récupéré. Dans une. Dans un barrel. Et avec la glass bottle, on peut récupérer. Et remplir les autres barrels normalement. Et du coup, après, avec qu'on a des. Hop, on va remplir. On fera une source infinie dans un coin tranquillement. Alors. Hop, impeccable. Vachement lent. Oh, je suis déçu là. Bah non, c'est un V pour un peu. Non? Attendez. Si, voilà. J'ai oublié. Et est-ce que lui ça consomme de l'énergie? Hop, hop, hop. Non. Parfait. Ah, parfait si je fais pas des trous dans le sol. J'ai perdu un sable du coup. Chut. Non. Bon. Faut refaire de la dirt. Allez, allez. Tout pile. Ah non, même plus. Ensuite, là. Hop. Voilà. Non! Je hais Clurlog! Il vient de me supprimer au moins 20 trucs, putain. Là, bon. Je vais pas me plaindre, après tout, je ne paye pas pour jouer sur un serveur. Ah! Alors, ça c'est cool, on a un rubber tree. On s'en servira pas tout de suite, mais ça va être très très intéressant pour plus tard. Hop, et là, double clic gauche et vous rangez tout ce que vous avez sur vous. Et si vous avez juste un stack en main, que vous voulez juste poser un stack, c'est un clic normalement. Voilà. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Bon, du coup, on fait ce dernier sable, on va y arriver. Alors, aussi, si vous avez pas comme moi un dôme, du coup, si vous laissez des oak barrels comme ça sous la pluie, ils se remplissent d'eau aussi. Voilà. Pour ceux qui auraient perdu leur seau d'eau ou quoi, vous pouvez récupérer de l'eau comme ça. Hop, donc là, il me faut juste un. J'ose pas cliquer. Voilà. Ah mais du coup faut les faire cuire donc il me faut plus de cobalt. Bon, je fais une coupure ce coup-ci parce que sinon vous allez attendre 10 ans et on n'est pas sorti le verre. J'avais complètement oublié qu'il fallait un four.
À tout de suite. Bon, ben voilà. Alors, j'ai fait pas mal de cobble. Alors, j'ai appris un truc en fait. Ici, si vous faites. Vous voyez, alors, regardez, on voit. Vous mettez face à des saplings comme ça, vous faites shift en boucle. En fait, ça fait pousser les arbres plus vite. Voilà. Après, toujours pensez bien à utiliser VineMiner, vous voyez, pour finir comme ça d'un coup. Et pensez aussi que je l'ai pas, c'est vrai que je l'ai pas fait tout à l'heure, j'y ai pas pensé sur le coup. Là, vous voyez, je sais pas pourquoi, ça pousse à une vitesse de ouf, même quand je fais pas shift. C'est chelou. Bref, je sais pas exactement ce qui se passe. Hop. Donc j'ai fait la cobble, on va faire un four. Mince. Tac. On va le mettre là. Ensuite, qu'est-ce qu'il me fallait? Il fallait un peu de dust. Qu'on va, hop, en faire 5. Et là, normalement, si vous faites ça. Ah non, ça marche pas, tiens. Je pensais que ça marchait. Ah bah non, faut que ce soit peut-être en colonne. Je sais pas, je pensais qu'avec VineMiner ça marchait. Bizarre. Attendez, si je mets en colonne. Non! Oh non non non! Sérieux, c'est quoi ça? Oh non! Pourquoi ça fait ça? Cet homme, je crois que c'est. Non! Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais que des conneries. Pourquoi ça a fait ça là? J'aurais tapé et ça aurait creusé les slabs. Mais non, mais sérieux, putain, j'ai tout perdu. Putain, je fais une coupure, je vais me suicider, je reviens. Bon, du coup, en voilà, comme vous voyez, il n'y a plus le dôme, c'est parce qu'en fait, bah, j'ai recommencé une partie, tout simplement. Vu que je voulais récupérer les ceci là. Enfin bref, tant pis. Et hop, pourquoi ça marche pas dès qu'il y a le V? Ah, ça marche peut-être pas avec celui-là. Parce que ça marchait avec le marteau qui donne juste avant. Merde, c'est con. Je viens de le jeter en plus. Bon, j'en ferai au pire. Merde, tombe pas dans le vide. Du coup, en fait, pour gagner un peu de temps, par contre, j'ai utilisé le stack qui te donne de base. Et j'ai eu dans un loot bag l'Infinite Water, du coup, ça fout de l'eau dans les blocs adjacents. Mais bon, je vais vous montrer quand même le truc que je voulais faire. Donc, il nous fallait 3 sables. Et. Bah, attendez, même plus en fait. Hop. Et 5 dust. Enfin, 5. Peut-être en avoir besoin de plus, mais bon. En fait, vous prenez la dust. Enfin, attendez, on va faire la vitre. Hop. En fait, on va faire une glass bottle parce que je vous montre maintenant. Vous pouvez, hop, dans un baril d'eau, vous mettez de la dust. Hop, ça vous donne directement un bloc de clay. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore des os? Merde. Oh merde. Ah, je les ai pas pris, c'est vrai, ce coup-ci j'ai dit oh bah, ça me sert à rien, j'ai pris le berry, putain je suis con. C'est pas grave. Bonne mille. Normalement c'est dans la test qu'on en a. Dans la dust, et bah je civerai de la dust pour en avoir. Alors,
Hop, je vous montre le principe. Vous faites ça. Normalement, vous prenez votre water bucket, vous venez en mettre dans un des seaux. Vous venez prendre comme ça une bouteille d'eau. Et normalement, vous pouvez remplir un autre barrel. Et du coup, vous prenez après votre bucket. Alors, je vais le faire. Alors, je vais le faire où? Ici. Tac. Une source d'eau infinie. Voilà. Parce qu'après, avec ça, vous pouvez pas placer l'eau, pardon. Hop, imaginons que vous êtes votre water bucket, vous l'avez vidé là-dedans, vous reprenez, hop. Puis vu que vous avez remis dans plusieurs avec la bottle, hop, vous mettez comme ça et vous avez votre source d'eau infinie. Tout simplement. Bon, moi du coup j'ai ça, mais bon, vous l'aurez sûrement pas, vu que c'est la chance. Du coup, je vais faire les 5 blocs de clay. Pratique quand même. Hop, on les pose, on les casse. En fait, vous, si vous êtes déjà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mélanger avec de la bonne mille pour faire de la porcelaine. Pour faire un crucible. Un fire crucible. Voilà. On le fait cuire. Et on obtient le crucible. Le crucible, on va le placer au-dessus d'une torche ou d'une source de chaleur. Pour le moment, ça va être la torche. Et on va mettre de la cobble dedans et elle va fondre et on aura de la lave. Comme ça on aura de l'eau, de la lave, on pourra faire un générateur à cobble. Du coup, il faut que je fasse de la dust. Voilà. Hop. Voilà, j'ai peur des event miners puisque là je veux pas en mourir. Donc, hop, allez, il me faut 7 bonnes milles. Ça va être long. Quoique non, ça, je crois que le taux de drop est assez important quand même. Bon, je vous fais une petite coupure. Parce que bon, voilà, j'en ai qu'une pour le moment, je vais sûrement devoir refaire de la cobble et tout, ça va être chiant. Prenez les eaux au début, gardez-en un peu ou tuez des mobs. J'ai la flemme de faire un petit spawner à mob, donc je verrai après. Allez, à tout de suite. Alors voilà, donc c'est bon, ça m'a pris quand même un petit quart d'heure. Enfin bref. Hop. Je fais n'importe quoi. Voilà. On le cuit. Où est-ce que j'ai une torche? Je vais pop. Ah bah si, elle est au milieu. On va faire du charbon de bois après, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Non. Par contre, faites très attention avec le hammer, hein. Souvent je pétais le sol sans faire gaffe. Hein. Hop. Juste quelques torches. Voilà, on peut le mettre ici. Vous mettez à quoi que ça va répandre du feu, peut-être. Bon, je crois pas que ça. Ah, j'ai un doute. On va s'écarter un peu au cas où. Là où vous venez, il faut 4 cobbles. Vous cliquez dessus. Et vous voyez, en haut, c'est rempli. Normalement, il y a pile de quoi faire 1000 mini buckets, donc un seau. Et je vais faire une petite coupure parce que ça prend assez de temps à fond en fait. Là vous voyez avec la torche, là vous voyez melting speed 1 fois. Si vous mettez de la lave, c'est x2. Si vous mettez de la netherrack ou quoi que ce soit, enfin des flammes, c'est x3. Et si vous mettez du pyrothéum, du blazing pyrothéum, c'est x7. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. Hop. Je vais en mettre là un peu. Je vais le ranger là. Bah du coup oui, je fais la coupure et puis je vous retrouve dès que j'ai le saut de lave, tout de suite. Mais alors voilà, donc c'est bon. On a. En fait c'est con parce que j'ai mis les 4 et ça a bloqué à 999, j'ai dû en rajouter une. Enfin bref, tant pis. Faire chier ces arbres.
Donc là j'ai préparé, j'ai refait quelques slabs. Donc vous connaissez la technique, hein, vous faites couler de l'eau dans un trou. Là vous mettez de la lave. À chaque fois qu'elle va couler ici, ça fera une cobble. Prenez votre marteau. Vous venez vous coller la contre quand il y a une cobble. Là vous visez le trou entre la slab et là. Puis voilà. Alors là on aura directement le gravier. Si vous voulez la cobble, faire une pioche. Tout simplement. Voilà, à la limite. Parce que je voulais faire en fait, juste après pour l'automatiser, il me faut un, je fais un block breaker. Il faut 3 diamants, donc vous voyez, il me faut plein de gravier. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais prendre du gravier, j'attends d'avoir 3 diamants, puisqu'on a déjà un de départ. Puis on craft le block breaker, puis on se quitte là-dessus. Donc à tout de suite. Bon, en fait, j'ai passé plus d'un stack de gravier, j'ai toujours pas eu de diamants. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste finir une quête là. Récupérer. Enfin, c'est 8 blocs de clay. Donc là j'ai refait 8 dust. Hop, on a les 8 blocs. Voilà. Hop. Claim. Ici du coup bah, on l'a déjà fait. Je pense que c'était. Ouais voilà. Et après c'est quoi? Cobble gen. Ah ils veulent faire avec la transfert. Oui c'est vrai qu'on pourra le faire comme ça. Ouais tiens bah allez on va le faire. Je dépose juste ça. On va prendre la vie. Parce que sachez que quand vous avez plus de vie. Oui j'en ai 4, vous en avez 3 de base. Bah la partie est perdue. Ok c'est nul. Ça fait la deuxième fois que j'ai les Putain quoi, la probabilité elle est à combien là? Bon c'est pas grave. Du coup node. Alors c'est chiant parce que tout à l'heure on avait des enderperles et tout. Bon, faut que je fasse cuire. Allez, bah, du coup, faut que je récupère. Je vais faire une pioche. Ah, sauf que je crois que celles en bois elles ont pas de durabilité. Faut faire celle de Tinker. Ah, bah, vous savez quoi. Prochaine étape, prochain épisode, on se fait tout ça parce que je pense que j'aurai pas assez non plus de redstone. Voilà, on se fait. On se fait le cobble gen la prochaine fois, donc soit avec, enfin de toute façon on fera la nôtre puisqu'il faut faire la quête, on va toutes les faire. Donc là c'est juste un peu de lapis et du fer, enfin. Ah cool, on va avoir la Builder Wand. Et voilà. Ah si à la limite on peut compléter ça aussi. Hop. Encore un cœur. Et nul. Ah quoi que c'est de la dirt. Bref, voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez, en fait, comme j'ai changé, du coup, je suis venu sur le serveur 2 de. Je sais plus le nom, j'ai oublié, Isolinis. Et de toute façon, dans l'épisode 1, normalement, j'aurais mis le lien pour venir, pour télécharger le launcher. Et bah, si ça vous plaît, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À la prochaine!